Dans cette vidéo, je vais te montrer comment se faire rembourser sur l'application Lydia. Alors là, nous sommes sur la page d'aide et assistance de Lydia. Et là, nous allons retrouver ici les procédures complètes que nous allons suivre simplement pour se faire rembourser. Alors là, vous allez voir, il y a deux cas de figure pour un encaissement à distance. L'annulation peut être réalisée depuis la rubrique transaction de la console gestion. Lorsque la transaction est identifiée, le professionnel n'aura plus qu'à cliquer sur détail dans la ligne de la transaction en question, puis cliquer sur le bouton rembourser ou encore annuler. Alors pour un paiement en face, la transaction peut être annulée tout simplement depuis le mobile du professionnel juste après l'encaissement. Dans le deuxième cas, nous avons là depuis la console de gestion après l'encaissement. Alors si vous utilisez l'application Lydia Pro, il est possible d'effectuer les deux actions suivantes. Alors ce que vous allez faire premièrement, c'est déjà identifier le cas de figure dans lequel vous vous trouvez. Et là, vous allez simplement suivre les différentes procédures qui ont été mentionnées. Et là, vous allez pouvoir vous faire rembourser sur Lydia.